commencé Mathieu Lépinier. Donc, je suis paxé, on a 3 enfants. Donc, comment on arrive là-dedans? Ben, vous savez, quand le contrat a cédé avec une entreprise, et l'entreprise, du jour au lendemain, il fait liquidation judiciaire. Donc, l'obligé, ben, avec la clé, entre guillemets, parce que notre petit maman, il sort net, avait 6 mois. On a un crédit loto d'hier. Donc, voilà. Donc, on a rentré dans la pizzeria comme ça. On a commencé à prendre des commandes. Après, on a commencé à faire livraison. Ensuite, on a commencé à apprendre à faire des pizzas. Après, par la suite, on a commencé à avoir 2 petits travails sur le côté. En tant que, par exemple, en tant que magasinier. Télécharge aussi les rayons dans les grandes surfaces. Et après, ce qu'on a fait, c'est que m'a travaillé dans une autre pizzeria sur Tampon. Et cette pizzeria sur Tampon, justement, elle apporte à moi encore plus d'expérience. Et après, on m'a dit, bon, vaut mieux, Miro veut ma pizzeria, vu qu'on a beaucoup de gens étant salés, tu veux qu'on mette en pizzeria. Donc c'est comme ça que du jour au lendemain, on rouvre ma pizzeria le 1er janvier 2010. Aujourd'hui, les salariés, c'est la cousine de ma madame, c'est le neveu de ma madame, c'est mon petit filleul. D'un temps, on avait mon petit neveu avec moi en tant que livreur. Et après, maintenant, Xavier, c'est mon pizzaïeur. Et ma madame aussi, bien sûr, avec moi. Donc moi, à la mairie, moi, les conseillers municipaux, justement, élus. Ma délégation, c'est l'économie. Hein. C'est l'économie, le commerce, le développement économique de la ville d'Ansalée. Et voilà, après aussi, on a une 3e casquette aussi, c'est élu à la Chambre des commerces. Donc franchement, c'est un top d'affaires. La gain relié les deux, c'est la mairie d'Ansalée élue en tant que dans l'économie, dans les commerces, et élue à la Chambre des commerces aussi. Voilà. Alors, on va revenir sur Pizza, justement. Et dans un petit peu les bonnes étapes que Nana pour... Nous découvrons, nous mangeons pizza, on ne connaît pas comment ça se passe avant. Ah oui, effectivement. Les gens, effectivement, ils arrivent, tu passes votre commande, tu vois cette pizza arriver, elle est finie. Et malheureusement, il ne se passe pas comment. Donc la première étape déjà, c'est la pâte, confectionnement de la pâte. Donc il faut préparer la pâte en avance, dans la journée, hein, parce qu'il y en a beaucoup, ils préparent la pâte 24 heures, 48 heures. Nous, c'est voilà, la journée. C'est notre technique qu'on a appris, c'est comme ça. Après, moi, mes travailleurs, les salariés, ils arrivent à 16 h. Donc, 16 h, tu commences à faire la mise en place. Tu te prépares, tu couvres, tu haches, pour justement que 18 h, tous les parés, pour qu'ils commencent à faire les premières pizzas. Ici, ils nous proposent un petit peu de tout. Les pizzas à viande, sans viande, fromage, aux légumes. Et moi, c'est quelqu'un qui aime beaucoup inventer des pizzas. Et quasiment tout le temps, on invente des pizzas. Et quand on invente des pizzas, les clients, ils aiment. Nous adoptons à eux, nous mettons à compte. Parce que là, la dernière, elle était existée là, c'était la Magic Oignon, Chicken Ross, Burger, Crunchy Poulet, Crunchy Bœuf, tout ça là, il y a un blé sur la corde. Là maintenant, aussi, nous commençons à inventer aussi un petit pizza un petit peu plus de luxe, c'est-à-dire avec du jambon cru, avec du fromage un peu haut de gamme, de la truffe. Ça, c'est des nouvelles perspectives que nous avons maintenant. C'est qui votre clientèle habituellement? C'est de mon étang salé, nana touriste aussi, nana de mon y passe là, c'est qui? C'est qui passe commande habituellement? Habituellement, c'est les gens étant salés. Mais la clientèle un peu partout, aux Avirons, Saint-Louis, Saint-Pierre, même dans le nord, des fois, les clients y passent. Voilà. Quelle qualité il faut avoir justement pour être un pizzaïolo? La qualité, déjà, il faut aimer son métier déjà. Il faut aimer son métier, il faut être rigoureux dans son travail. Et voilà, surtout, vous aimez ce métier, c'est l'amour du métier. Si vous n'aimez pas de métier, vous ne voulez pas un pizzaïolo.